Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre aventure horrifique sur Evil Within 2 et je pense qu'on va commencer notre épisode par un petit café parce que l'épisode précédent était très riche en loot mais j'ai pris quelques dégâts et un petit café, rien de mieux. Rien de mieux pour se mettre en forme toute la journée. Pendant que je me sers ce petit café et que je le déguste, n'oubliez pas de fermer les volets, d'éteindre les lumières, de mettre un casque et des écouteurs, de préparer une petite collation. Vous connaissez cette phrase, les gars. Cette phrase, je vous la sors depuis des années, des années, des années d'aventure horrifique. Mais au final, il n'y a rien de mieux. Hein, y a rien de mieux que de se mettre à l'aise devant un épisode d'Evil Within et de se faire plaisir. On va voir si on peut... Alors, petit trou de mémoire par rapport à l'épisode précédent. Je ne sais pas si j'avais fait toutes les améliorations. Oui, il me semble que j'avais fait toutes les améliorations. Donc aujourd'hui, il va y avoir de l'action. Et c'est parti, O'Neill! Je me casse! Bordel! Ça va, O'Neill, hein, t'as eu deux épisodes tranquilles. Maintenant, on reprend les bonnes habitudes. Donc, on va aller voir le célèbre fantôme. Apparemment, il y a un fantôme qui traîne dans les barrages. Et bah, il faut s'en débarrasser parce que cette femme... Je sais pas d'ailleurs pourquoi on tient absolument à retrouver cette femme. Mais elle a peur. Elle a peur, elle tremble, elle virevolte. Donc on se met une petite indication. On va passer par des ruelles mal famées comme d'habitude. Et puis on va voir ce célèbre fantôme. Par contre, souvenez-vous, dans un parc là-haut, on avait vu quelque chose qui ne m'inspirait pas ou peu confiance. Il y avait quelqu'un qui courait dans les fougères. J'ai peur. J'ai peur. Donc le viseur laser, c'est bien. Comme ça, tu peux viser avec une précision redoutable. Ok. On va faire attention. C'est encore à 80 mètres. C'est dans ce parc. C'est dans ce parc-là qu'il y avait le mec. Il est quelque part, c'est pas possible. Il m'entend. Il m'entend, mais je ne le vois pas. Ok, c'est par ici. Hein. Bah les couilles, les gars, moi je passe par le milieu du parc. Hein. On verra ce que ça donne. Je regretterai sûrement toute ma vie ceci. On regarde toujours à droite à gauche avant de traverser, d'accord? Que ce soit un jardin ou une route, les dangers sont les mêmes dans le jeu. On va aller fouiller l'intérieur de ce garage, qui m'a l'air bien sympa. Ils sont pas morts. Et merde. D'accord. Donc j'ai pas le choix. Je n'ai clairement pas le choix que d'être enfermé avec ces lascars. C'est pas grave. Vous savez ce qu'on dit? Les lascars, ça me fait pas peur. Un petit peu, mais... Et voilà, c'était sûr. Putain. Désolé. C'est terrible. Je vous trouballe. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Waouh! Peut-être pas cette chance la prochaine fois. Ok. D'accord, ils ont quand même les yeux comme ça, même quand ils sont morts. Mais faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Et encore plus d'une femme qui dort à côté de toi. Ok. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Putain, j'ai tiré deux balles à côté. C'est terrible. Hein. C'est terrible, ma visée. J'ai aucun aim sur ce jeu. C'est pas évident. Peut-être que je stresse aussi. Il y a peut-être une part de stress. Hein. On va pas se mentir. Le stress est forcément de la partie. J'essaye de voir s'il n'y a pas des petites statuettes aussi. Vous savez, les statuettes de... Oh! Ça, ça me fait plaisir. Ok, position accroupie direct. Ok, du gel. Oh. Coucou! Coucou les amis! On sait que vous êtes pas mort. Ok, c'est dans cette maison. C'est totalement dans cette maison. On les tuera plus tard, les autres, si ça vous gêne pas. Ok, il y a quelqu'un là. On va fouiller. Poudre à canon, je prends. Volontiers. On va faire cette jeune dame qui traîne un peu trop tard dans le quartier. Ah, je crois que cette dame ne meurt pas du premier coup, il me semble. Ok.
On va attendre, hein. Elle va bien se retourner. Elle a pas l'air ouf. Elle a pas l'air de vouloir se retourner. Madame, vous allez bien? Elle a peut-être raté, les gars, elle a peut-être raté le repas du soir. Ça lui fait pas plaisir. C'est tout à son honneur. Si elle meurt pas, je pige pas. Si elle ne meurt pas, je ne pige pas. Et là, si elle se retourne, MDR. Je rigole sur chaque général. Déjà, je fais une crise cardiaque. Ok. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Elle ne meurt pas du premier coup. Elle est beaucoup plus lente, mais je crois qu'elle ne peut pas mourir du premier coup, celle-ci, d'accord? Elle ne bouge pas par contre. Ok, poche améliorée. Oh là là, plus de... Toujours plus de munitions de pistolet. Faut-il encore que je trouve des munitions maintenant? C'est pas mal ça. Ok, c'est dans cette maison qu'apparemment un fantôme était traîné. On y va calmement. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un? Ok, là ça fait très Resident Evil 7. 336 Cheddar Avenue. Donc c'est l'avenue du fromage. Ok, là faut savoir que on a des soins. On reviendra. Je pense que de toute façon on va pas sortir de cette maison avec toute la santé. Donc on reviendra sans problème. Il y a des bouteilles. Essaye de voir dans le frigo, meubles télé, non. Faut voir s'il n'y a pas la petite statue de la Vierge. Enfin de la Vierge Marie, j'allais dire. Ok. Ça va aller très vite sur un fusil à pompe. Hein. Je te le dis immédiatement. On a un bouquin. On va le prendre. C'est bon, je commence à voir la bouche pâteuse, les gars, aujourd'hui. Que se passe-t-il? Journal de la femme. La dernière entrée du journal écrite d'une main tremblante. Il y a quelque chose dans cette maison avec moi. Je ne la vois pas, mais je sens sa présence. Je ne crois pas vouloir la voir. J'entends ces horribles choses dehors. Elles sont partout. J'ai peur de sortir, mais j'ai peur de rester ici aussi. Je tremble, mais ce n'est pas de peur. Pourquoi fait-il si froid tout d'un coup? Il fait froid. J'ai hâte d'avoir cette réponse. Pourquoi fait-il si froid? C'est une enquête durement menée pour l'inspecteur Castellanos. Là, on va prendre ce qu'on mérite. Ah, les petites maisons possédées, c'est vraiment un plaisir. J'ai toujours rêvé d'être dans une maison possédée, en fait, à la base. Voilà, je vous l'ai jamais dit. Mais en fait, j'adore les esprits. Putain, les chasseurs de fantômes, ils doivent se régaler, en fait, sur un jeu vidéo, en vrai. Ils doivent prendre un pur plaisir. Ben, on se casse. Ça va pas se passer comme prévu. Quoi? Oh putain. Oh non. Quoi? Oh putain! Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh alors mais gros, c'est terrible ça! Il est venu me chercher. Il faut que je sorte d'ici. C'est un boss, hein. Bougez pas, j'ai peut-être ma petite idée. Ok. Elle est partie. Je pense pas qu'elle est tuable. J'ai besoin d'une carte. Oh putain, non. Je pense pas qu'elle soit tuable. On va se la taper tout le long. Ça va être un petit jeu de course-poursuite. J'adore ça. Oh, elle fait tellement balise. Évidemment, ok, on ne peut pas passer par ici. Allez, amuse-toi. Il est là, frère.
Non, faut pas aller par là. Mais il y a tout qui se brouille. Ah ! Et je cours ! Putain, je l'entends de ma manette, cette saloperie. Je l'entends de ma putain de manette. Et ça vibre. Oh là là. Ok, donc les gars, vous l'aurez compris, elle est là. Je sais pas si elle vient ou qu'elle recule. Elle vient, merde. Elle vient, merde. Oh là là. Oh là là, la manette, elle vibre de plus en plus, ça c'est bien fait par contre. Hein. Mais m'a tué! Oh putain le délire! Oh putain le délire! Si elle me touche, je suis un homme mort. J'espère qu'il n'y a pas 10 000 pièces comme ça, parce que là, ça va être terrible, les gars. J'espère vraiment qu'il n'y a pas 10 000 pièces comme ça. On se retrouve direct après le chargement, les gars. On est clairement reparti. Il est venu me chercher. Il faut que je sorte d'ici. D'accord. Bon, la lumière, ça ne fait rien. On va attendre qu'elle passe dans l'autre pièce. Donc, si elle nous touche, elle one-shot. C'est le game over, ok? C'est horrible, les gars. Je sais pas si vous entendez. Écoutez, la manette. Ça sort de la manette. Vous entendez? C'est horrible. Moi qui suis dedans, même avec le casque, j'entends ma propre manette. Je vous promets que c'est pas hyper agréable. On va attendre qu'elle parte. Allez, essuie-toi le front parce que crois-moi que ça nous met en sueur, ça. Hein, cette histoire. Elle veut pas entrer dedans. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. Ok, là elle est rentrée. Elle fait demi-tour. J'ai peur. J'ai putain de peur, vous imaginez même pas. Ça pourrait m'aider à sortir d'ici. Putain, si elle est là. Elle est là. Elle est là, putain, merde! Les gars, ils chantent l'intro du jeu. Oh là là, c'est horrible. Je peux pas refaire la scène 10 000 fois. J'ai la bouche pâteuse, les gars. C'est quoi ce long... Oh non, mais là... Ça pue la mort, hein. Ça pue la mort, ce long couloir. Ok, ça me rassure, on a réussi à s'en débarrasser. Nous voici dans la chambre. Est-ce que je viens d'imaginer tout ça? Non. C'était... Et cette chose?
C'était la réalité ou mon imagination? Crois-moi que c'était la réalité, j'y ai goûté les gars, qu'est-ce que c'est? Un diapositif, relique d'une époque où l'on prenait des photos. D'accord, on va pouvoir aller le regarder alors. Bon, on a fait cette maison de l'enfer. Je ne suis pas peu fier. Je reviendrai pas en tout cas. Ah, le canapé s'est remis en place, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Ok, à savoir qu'ici il y a une seringue de soins, d'accord? Bon, ça c'est fait, on est tranquille, on a fait cette résonance. On a ici quelque chose à aller récupérer, on a un opérateur, pardon, de Mobius mort. Ok. Bon, très clairement, la question maintenant c'est par où passer. Tiens, on a quelque chose là-dedans. Quelque chose de fort intéressant, que je vais déguster sans aucun souci. C'était horrible cette phase, c'était horrible les gars. Pire esprit du monde. À se faire courir après, si jamais te repère, savoir que t'as zéro chance. C'est un petit peu dingue, hein. Ok. On va ouvrir ici. On va ouvrir ça aussi. On ramasse un maximum de gel et de pièces. Parce que ça va permettre d'améliorer ses armes. Je me demande s'il y a une deuxième ville ou un équivalent, je sais pas, ça serait genre juste ouf en vrai. Faut que j'utilise mon pompe, hein. Je suis blindé niveau munitions de pompe. Vous l'avez vu lors du précédent épisode, on a ouvert un casier avec, avec des munitions max, donc je vais devoir m'en occuper. Ah, nous voici par ici. Ok, il me semble pas... Si, je suis déjà venu, Je suis déjà totalement venu, c'est par ici. Il y avait un opérateur mort, on va aller le fouiller évidemment, on va voir ce qu'il a à nous offrir. Et après on va pouvoir avancer dans la ville. On aura fait énormément de choses les amis mine de rien. Ah non, on pouvait pas rentrer ici. Ah dur. Dur, on pouvait pas du tout rentrer par ici en fait. Alors comment on faisait? Comment on peut faire? Peut-être par en bas non? Ça me paraît être une... Ça me paraît intelligent ça. Vous en pensez quoi? Par en dessous? Parce qu'il faudra retourner en dessous aussi. On a beaucoup de choses à faire. Vous savez quoi? Je pense qu'on va y retourner maintenant. Ça vous tente? Bon, vous pouvez pas me répondre, forcément, parce que si vous allez me dire oui maintenant, je le verrai que plus tard, mais quand même, répondez, un minimum de politesse, s'il vous plaît. Je pense que c'est par en dessous, ok. De toute façon, en dessous, on a beaucoup de choses à faire. On va aller voir quand même. Attendez, planque, point de sauvegarde, miroir et tout. Attendez, attendez, ça vaut le coup d'aller voir. C'est pas très loin, c'est sur le chemin, on va découvrir une autre partie de la map, avant de rentrer en enfer avec la voix de la gamine. Donc, autant y aller. Je l'ai fait, ça? Ça, j'ai pas souvenir l'avoir fait, les gars. J'ai clairement pas souvenir l'avoir fait. Donc on va le faire de ce pas. Je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. J'ai peut-être menti, hein. J'ai totalement menti, je l'avais fait. Je l'avais fait. Et je vais d'ailleurs me craft 2-3 petits trucs. Améliorer, fabriquer, pardon. Balle de précision. Oh, ça demande 7 par contre. Ça demande 7, j'en ai... Allez, on s'en fait juste une. Pour le plaisir. Balle de pistolet, on peut s'en faire quelques-unes aussi. Allez, on va s'en faire 4, ça me fait plaisir aussi. Tête car warponeur. Encore un, allez. On peut s'en faire encore un, mais faut pas abuser des bonnes choses. Ok, on va se garder le reste. Je pense pas que ça soit nécessaire, beaucoup plus. On est parti. On est parti, on avance bien les gars. Moi je suis assez content, hein. Vous pouvez dire, alors oui B-Boy, on a pas l'impression que t'aies fait grand chose. Je suis bien d'accord avec vous. Ah, lui il est vivant, je vous le dis. Il est full vivant. Parce que quand je l'ai percuté, tiens regardez, vous voulez voir. Voilà, ça dégage. Madame? Madame, vous allez bien? Petit mal de tête peut-être. J'ai très bien visé, je ne suis pas peu fier. Je vous l'avais dit, c'était sûr qu'elle était bien. Pourquoi? Bah parce qu'il y avait, j'ai percuté la hitbox, hein. Quand tu marches dessus et que ton personnage fait le détour, j'ai percuté comme s'il y avait un objet. Ah, c'est chiant. Ça, c'est totalement chiant. Ça, c'est totalement chiant, mais c'est du petit chat. Et c'est 300 gels, donc évidemment, vous savez bien que je prends, les amis. Je prends sans aucun problème. Ok, on disait quoi? On disait qu'on voulait aller là-haut. On a fait les deux mecs qui traînaient par ici. Là, attention, on se rapproche de la voix de la fille. Elle, elle est pas morte. Hein. Elle est pas morte non plus. On se rapproche de la voix de la fille. Alors, arrêtez-moi si je me trompe.
Opérateur Mobius, mort. Il y a une planque à l'intérieur. Et si je ramassais pas? Et si je ramassais pas parce que de toute façon j'étais full stuff? Autant ouvrir par ici en fait, qu'en pensez-vous? Autant totalement ouvrir. Et puis on verra ce qui se passe. Ok. Ok, on a quelque chose par ici. On a un point de résonance. Trouve-toi une autre planque. Cet endroit est scellé. T'as compris? Ah! Ok, une balle dans la tête, c'est pas mal. Deux balles dans la tête. Bah, c'est le headshot. Enfin, c'est la tête qui explose surtout. Ok. Oh, faut que j'utilise un petit peu plus mon fusil à pompe. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais. Trouve-toi une autre planque. Je suis full munitions. Ok. Porte verrouillée. Fenêtre sécurisée. Courant coupé. Rien ni personne pour rentrer. Même pas toi, Ace. Trouve-toi une autre planque. Cet endroit est scellé. T'as compris? Merde. J'hallucine. J'ai pas signé pour ça. C'est bon. Tout ira bien. Je suis en sécurité. J'ai plus qu'à attendre que ça se termine. C'était quoi ce bruit? Quoi? Comment il a pu entrer? C'est pas vrai? Ah! Encore cette belle demoiselle! Qui passe à travers les murs. Là, il y a le signe de Mobius, c'est qu'on est en sécurité là-dedans. Ah, on peut retourner par l'armurerie ici! Je pense, avec l'ordinateur. Très bien, très bien. Très bien, il y a du café. Il y a. Oh là là, mais oui, mais les amis, oui! Carreau fumigène! Ce carreau libère un nuage de fumée autour de son point d'impact, une approche discrète vaut parfois mieux qu'un affrontement direct. Il est plus facile de s'échapper ou de tuer discrètement lorsque les ennemis ne vous voient pas. En améliorant vos carreaux fumigènes aux établis, vous pourrez tuer discrètement les ennemis pris dans la zone d'effet. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un miroir. Un miroir supplémentaire, ça fait plaisir aussi. Il y a quelque chose à prendre? C'est ici. Rapport numéro 122, recrutement. Le nombre de candidatures reçues via les centres MU a dépassé celui des tests médicaux. Inscrire les centres MU sous le régime exonéré. Ok, mes couilles au bord de l'eau. D'accord, là, il y a une histoire de secte un petit peu. Hein. Dossier 10 sur 40 déjà. Oh là là, ça va vite quand on s'amuse, attendez. Ce miroir mène au même endroit, les gars. Oh là là, il y a des soins, je les utilise même pas. Je crois que ça va trop vite. Je crois qu'on est bien trop bon pour le jeu. Non, faut pas que j'y aille. Faut pas que j'y aille, ça va m'emmener à chaque fois au même... On va beaucoup trop loin pour ce jeu, les gars. Regardez, y a pas besoin d'un café, besoin de rien. Besoin de rien, envie de toi, comme on dit. Là, je peux sauvegarder, on va fouiller là-haut quand même, sait-on jamais. Y'a rien. Si évidemment, vous avez vu que j'ai loupé une statue, ça peut arriver, par contre. N'hésitez pas à me le dire, parce que dans tout ce décor, on fait pas gaffe, des fois. Ok, on va save. Très bien, on sait qu'on a une planque juste ici. Ça fait plaisir, ça... C'est fait, c'est déverrouillé. Donc c'est parti, on va save. Et puis on va continuer notre aventure. Totalement incroyable de toute façon. On a eu cette jeune dame qui nous a fait peur, on va pas se mentir. Épisode chargé. On a toujours pas été à la voix de la fille, mais épisode chargé quand même. Opérateur Mobius mort, et il y en a un autre derrière. Ok. Bah vous savez quoi? On avait dit qu'on allait à l'armurerie, donc autant y aller en fait. On dirait qu'il est verrouillé par un mot de passe. Ah c'est chiant. Quelle est cette histoire Ah, c'est très chiant. On va sortir alors, écoutez. Écoutez, monsieur. Trouvez d'où provient la voix de la fille en utilisant votre communicateur. Ça, j'ai bien compris. Ne t'en fais pas. Tout ça, c'est pas mort, hein. C'est full vivre. Hein. Ok. Et la voix de la fille vient de là-haut, mais les gars... Et là, on a toujours pas réussi à rentrer. C'est ce qu'on va le faire. On va le faire, on va le faire, on va le faire. Ne bougez pas. Ne bougez pas, on va directement aller ici. Je sais que ça fait loin, mais faut le faire. On va aller ici, et puis on va aller récupérer. Tout simplement. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose au bout de map. Donc on va aller voir. Et puis au pire, si on meurt, on meurt, hein, les mecs. Hein, c'est pas grave. Hein. On peut dire que cet épisode...
sera plein de surprises. Ou alors on s'arrête là, je ne sais pas. Peut-être s'arrêter sur la planque, on verra. On verra les gars, on va continuer. Là il y a deux morts là-haut, on va les laisser. On dirait que quelqu'un a des ennuis. Oh non! Non! Ces saletés vont la tuer si je fais rien. Ah! Ah! Elle s'est jetée sur moi! Ah! Ok. Ok. C'est bon là? Vous avez ce que vous méritez ou pas? Ok. Putain. C'est bon. On est large. Et vous savez quoi? J'ai utilisé 4 balles. Donc on va les récupérer, les 4 balles sur l'agent de Mobius. Non, 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 non. Ils vont tous me tuer de toute façon. En vrai, je pense qu'ils vont tous se réveiller. Elle, attendez. Je sais pas. J'ai pas l'impression de percuter son skin, mais... je pense qu'elle va se réveiller aussi. Sinon, regardez, franchement, je prends et je me casse. On fait ça. Ils vont se réveiller, hein, c'est sûr, hein, les gars. Il n'y a pas de... là, c'est on part sur une info sûre. Bon, une info à moitié sûre. Y'a quelqu'un? Ok. On va utiliser le pistolet. Voilà, je calme le moment. Putain, mais les 106, c'est terrible. Les 106 de merde. Faut mourir. Faut mourir parce que ça m'énerve. Ok, on va ramasser le gel. Bon, il y avait quoi, putain, sous cette voiture de merde? Ah, d'accord. Bon, ça, c'était pour le côté un peu cascadeur, les gars. Je sais pas. Vas-y, montre-moi. Hop, mets pas ta tête dans le capot, quand même. Ça fait mal, ça peut te faire mal au crâne. Ok, on a sauvé la fille, on va voir, putain, il y a tellement de choses à aller faire, à aller voir. C'est un petit peu terrible, les amis. Il se passe tellement de choses là-bas, dans l'Ohio. Elle est partie là-dedans. Par contre, autant vous dire que le fusil à pompe, il a rigolé zéro. C'est bon, je les ai tués. Ouvrez la porte. J'aimerais vous poser quelques questions. Je suis Batman. Ouvrez la porte. Merci. Vous m'avez sauvée. Je me voyais déjà morte. Tout va bien. Calmez-vous. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que j'en sais? Si quelqu'un doit poser cette question, c'est plutôt moi. Écoutez, je viens juste d'arriver. Je suis encore plus perdu que vous. Ah oui? Comment vous vous appelez? Sébastien. Sébastien Castellanos. Dans ce cas, vous avez plus d'informations que moi. Je ne me souviens même pas de mon nom. Ni même de quel jour on est. Je sais même pas où je suis. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Essayez quand même. Vous devez bien vous souvenir de quelque chose. J'étais dans ce bureau et un docteur asiatique me posait des questions. Et tout d'un coup, je me retrouve dans cette ville que je ne connais pas, avec des vêtements que je n'ai jamais eus, et cet inconnu qui prétend être mon mari me dit de courir. Mais merde, je suis pas mariée. Rien de ça n'est réel, c'est impossible. D'accord. J'aimerais vous poser une question. Au sujet de Lily. Je cherche ma fille. Elle a 6 ans. Elle s'appelle Lily. Je n'ai vu aucun enfant par ici. Rien d'autre que ces créatures. Bon sang. 6 ans. Oh, je suis vraiment désolée. Pauvre petite. Perdue dans cet enfer. J'aimerais pouvoir vous aider. Moi aussi. Mais je ne l'abandonnerai pas. Donc vous vous êtes réveillée il y a quelques heures. Quelques heures, quelques jours, je n'ai aucune notion du temps. Le dernier endroit dont je me souviens, c'est ce bureau. Quel bureau? J'avais besoin d'argent, alors j'ai répondu à une annonce pour une étude sur le sommeil. Ils m'ont fait une prise de sang et un examen. Puis cet Asiat m'a posé des questions curieuses toute la journée et... je comprends pas ce qui se passe. Est-ce que le nom de Mobius vous dit quelque chose? Je ne crois pas. Mais de toute façon, j'ai peu de souvenirs. Ah d'accord, elle s'est fait... On l'a mis dans le stem. Évidemment, elle était pas d'accord. Que savez-vous à propos de ces créatures? Rien. À part qu'elles vous tueront à la moindre occasion. Vous devriez les éviter. Une idée de leur provenance? Cet homme qui prétendait être mon mari a commencé à se comporter bizarrement. Il arrêtait pas de regarder quelque chose qui m'était invisible. Puis tout à coup, il a crié et a commencé à changer. Sa peau faisait des cloques. C'était horrible.
L'instant d'après, il essayait de me tuer. Alors ils ont tous été un jour des citoyens normaux. Qu'est-ce qui a provoqué un tel changement? Je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas vous aider. Mais c'est Lily, c'est sûr. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Restez ici, les portes closes. C'est trop dangereux dehors. Je n'irai nulle part, vous pouvez en être sûr. Mais merci de m'avoir sauvé. Si vous avez besoin de quelque chose dans la maison, servez-vous. Oh oui, t'inquiète pas ma grande. Allez, casse-toi. De la poudre, je prends. Des balles, deux pistolets. Encore un pistolet. Ah non, je croyais que c'était encore un pistolet. Je me suis dit, attends, c'est trop les gars là. Combien de pistolets là-dedans? Ok, bah c'est tout, c'est tout. C'est tout ce qu'elle avait à me dire. Bon, on sait qu'il y a un citoyen par ici. Ah, ça devient pas un citoyen sur la map. Donc je pense qu'elle va bientôt crever. Oh putain, attendez. Allez. De la poudre à fumer pour faire des fumigènes, ça me fait plaisir. Bon, bah on continue, hein, direction la planque. Il se passe toujours des choses incroyables. J'aimerais faire plus pour elle. Mais trouver Lily est la meilleure chose à faire pour tout le monde. Non mais c'est Lily qui... Alors par contre, pourquoi? Pourquoi Lily fait tout ça, fait tout ce bordel dans cette ville? Là, c'est une bonne question. Et ici, on n'est jamais rentré là-dedans. Si, on est rentré tout à l'heure, c'est ça? Yes, on est rentré tout à l'heure. Ok, on est proche de la planque, on va pouvoir aller au sous-sol. Prochain épisode, les amis, on sera sous-sol. Non. Non. Elle va me suivre maintenant? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On se casse? Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Faut pas aller là-haut, hein. Ah non, faut pas, hein. C'est moi qui vous le dis. Ok, d'accord. J'ai l'impression qu'elle va me persécuter un petit peu partout maintenant. Tant que je ne l'ai pas tué. Je sais plus si on avait fouillé là-dedans. Attendez, bougez pas, ça mange pas de pain. Ah, ça va, ça arrive, j'ai du pain très rapidement. Non, c'est bon, on l'avait fait. Plus de peur que de mal. Oh là 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 là, mais attendez, c'est totalement aléatoire là ce qui s'est passé ou pas? Ça, j'aimerais bien le savoir. J'ai hâte de le découvrir, véritable plaisir. Qu'elle traîne dans le ghetto comme ça. Allez, on se casse. On retourne dans le sous-sol de l'enfer. Et je sais plus par où c'était, je crois qu'il fallait... Totalement dingue. Mais il me voit, mais tu es où? Parce que même moi, je ne me vois pas en fait. Enfin... Il est où là? Il est où là? Mais je ne comprends pas. Ils sont deux, allez. Alléluia, mon frère. Ok. Cette femme ne me voit pas. Parce que je suis un ninja! Allez. Hop, dans les côtes, dans la tête. On n'en parle plus, ciao ciao. Ok, on va tout ramasser et je pense, je suis même persuadé qu'on va s'arrêter là. Et puis la prochaine fois, on se baladera dans les sous-sols. On a vu beaucoup de choses dans cet épisode. Cet épisode était compliqué, mais on s'en est sorti. Ah, peut-être pas à merveille, mais on s'en est bien sorti quand même, hein, on va pas se mentir. C'était par où, attendez. C'était par ici. Attendez que... Il y avait pas ça avant. J'avais pas souvenir qu'il y avait ça avant. Si? Il y a toujours eu ça? Ok, on y va. Et n'oubliez pas de j'aimer le commentaire, je vais sauvegarder. Je vous dis à très bientôt tout le monde. Bisous bisous les gars.